مسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسا يبسا وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسا يبسا وحزينة راني هايمة ما نعرف Des mois de minuit, heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus. Nous allons parler presque histoire, histoire personnelle, les chemins de traverse de l'un et l'autre invité. Jenny Alpha, vous êtes comédienne. Philippe Vilmus, vous êtes aujourd'hui professeur à Subdeco Montpellier, mais vous avez été cadre supérieur et vous avez décidé un jour de prendre un chemin de traverse, de faire autre chose et d'être... presque vous-même. Vous aussi, Jenny Alpha, vous avez décidé, vous avez longtemps essayé d'être comédienne, ce qui n'a pas toujours été facile dans votre parcours. Deuxième partie de cette émission, nous recevrons Lenny Escudero, notamment pour ses plus grands succès, et Jessica Holk, qui est déléguée générale de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Musique, bien sûr, avec Lenny Escudero et Nathalie Manfrino, qui jouera ou qui chantera, révélation artistique lyrique aux Victoires de la Musique, qui chantera en duo avec Bertrand Chamaillou, révélation soliste instrumentale dans ces mêmes Victoires de la Musique. Manière de voir pour commencer cette émission, l'un ou l'une écoute l'autre, et ensuite vous échanger, si nécessaire, et nous l'espérons. Jenny Alpha, j'allais vous demander, ma première question, ça allait être, est-ce que vous êtes fatiguée? Parce que en 2003, vous jouez dans La Cerisée de Tchekhov, depuis 2003, vous avez été en tournée avec cette pièce. Je laisse cette question, et j'en pose une autre. Vous m'avez dit, juste avant de commencer l'émission, que dans votre vie, quand vous êtes né, en 1910, c'était aux Antilles, dans les colonies, oui. il y avait une configuration céleste tout à fait singulière. C'est bien audacieux, hein, mais c'est la vérité. La comète de Halley est venue, alors vous saurez mon âge comme ça, en 1910, elle a traversé le ciel. Et sa queue a balayé le ciel des Antilles, et je me suis figuré qu'elle avait fait une petite attention pour moi. Alors, je trouve ça que c'est plutôt une bonne formule, parce que j'ai toujours été assez heureuse dans ma vie. Assez heureuse dans votre vie. Deuxième question, c'était est-ce que vous n'êtes pas fatiguée après cette tournée qui a duré 2 ans, avec cette pièce, La Cerisée de Tchekhov, revisitée par version antillaise. On y viendra dans une seconde. Mais j'aimerais qu'on fasse votre parcours de vie. Quand vous vous souvenez de votre enfance, vous savez que récemment a eu lieu un débat chez nous sur la colonisation, les bienfaits, pas les bienfaits, etc. Ma première question porte sur vos souvenirs d'enfance. Qu'était ce pays dans lequel vous viviez et quels étaient les rapports qui existaient entre les Blancs et les Noirs? Vous étiez Noir et vous êtes Noir. Eh bien, je vous dirais que jusqu'à présent, je n'ai jamais été invitée dans une famille blanche. Mon père était vérificateur des douanes. Alors, il recevait, de par sa profession, beaucoup de gens pour prendre le petit punch, comme on dit chez nous, quelquefois des Blancs, mais nous n'avons jamais été invités par une famille blanche. À part les Blancs pauvres, comme on l'appelait, les béquets gouyaves, ça vient des béquets goyaves, la goyave, c'est un fruit du pays. Alors les Blancs pauvres, on les appelait les béquets gouyaves, comme connaissions, mais de sorte qu'il n'y avait, ça ne me manquait pas, étant petite et ayant grandi, la compagnie des Blancs ne me manquait pas. Mais je ne pense pas qu'on a frayé beaucoup avec des Blancs de là-bas. Aujourd'hui, à votre âge, oui, chère madame, à votre âge, est-ce que vous pensez que les choses ont substantiellement changé? Je crois qu'il y a peut-être un petit changement, mais je vis très peu à la Martinique. Je suis en France depuis l'âge de 19 ans. Oui. Ça fait donc pas mal d'années. Et j'ai vécu beaucoup à Paris, où la question ne se posait pas. Parce que quand mon père m'a emmenée à Sophie Germain, qui était une école normale, rue de Jouy, à côté du lycée Charlemagne pour les garçons, eh bien, quand la directrice a demandé qui veut prendre soin de Jenny,
J'étais là seulement, tous les droits se sont levés. Alors j'ai trouvé un accueil tellement chaleureux que je n'ai pas fait attention qu'elles étaient blanches ou pas blanches. Est-ce que ça a été... alors vous dites non, mais est-ce que ça a été difficile de réaliser ce dont vous rêviez, c'est-à-dire être comédienne? Eh bien, ce désir de comédie... Mon père, c'est le grand coupable. Hein. Dès l'âge de 6 ans, il m'emmenait au théâtre. Et à la Martinique, ne venaient que des pièces qui venaient de Paris. Et puis des opéras, des grands opéras comme La Traviata, ou des petites choses, comme Mademoiselle Nitouche, La Petite Chocolatière, qu'on appelle des pièces de boulevard. Mais l'amour du théâtre est né à ce moment-là. Ça m'a quitté vers l'âge de 14 ans, où plutôt les garçons commençaient à m'intéresser, vous voyez, 19 ans. Et puis, brusquement, comme j'étais au musée Guimet, à un moment, comme étudiante, je voulais gagner un peu ma vie à côté. Et la conseillère, enfin la grande attachée du musée Guimet, c'était Maddy Sauvageau, une jeune femme qui m'a demandé de faire avec elle une causerie sur la Martinique, avec des chants antillais. Et déjà, j'avais eu le bonheur de connaître la trilogie noire de la négritude, c'est-à-dire Léon Contrand-Damas, Aimé Césaire, évidemment, qui était le camarade de mes frères, et Léopold Sédar Senghor, qui m'avait instruite dans l'amour de mes ancêtres. Ça ne me taraudait pas depuis là. Mais vers mes 19 ans, j'ai eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose, qu'on m'avait occulté quelque chose, c'est-à-dire toute l'Afrique. Et j'ai commencé à lire Nkateba, j'ai commencé à lire les grands écrivains américains noirs, Langston Hughes, Richard Wright, tout ça, et à me dire, j'ai une partie de ma vie qui m'a été occultée. Et alors là, j'ai eu le sentiment qu'on m'avait un peu volé, qu'on m'avait un peu décérébré, voyez-vous. Vous m'avez donné une civilisation. Décérébré. Je dis le mot n'est pas trop fort. Qui vous avez décérébré? Bien, la colonisation, la civilisation française qui n'avait instruit les petits Antillais que dans le français. On m'avait appris et j'ai eu l'imbécilité de dire, comme tous mes petits camarades, nos ancêtres étaient les Gaulois et d'avoir cette admiration. C'est pas vrai? Et voilà. C'est pas vrai? En partie peut-être, en partie, mais pas tous. J'ai eu un ancêtre qui s'appelait Alpha qui était de Guinée. Le nom Alpha vient c'est de vrai, Guinée. C'est vrai, c'est pas comme Vercingétorix. Ah, voilà. Alors donc, il y a cette partie occultée. Et je vous pose une question, et comme ça on n'y reviendra plus. Quand une représentation nationale décide que la colonisation a des aspects positifs, qu'est-ce que ça induit comme réaction chez vous? Je trouve qu'on ne peut pas parler de quelque chose de positif quand l'un a dominé l'autre. Parce que pour moi, quand j'ai commencé à réfléchir, hein, pour moi, la colonisation, c'était la suite de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on inculquait à des gens une seule civilisation. Dans mes livres d'histoire, mes livres de géographie, je ne connaissais pas l'Afrique. Je n'ai connu le nom des rivières de mon pays que lorsque j'ai lu La Lézarde de Glissant. À 19 ans, 20 ans, à partir de quand j'ai lu La Lézarde, la Roxelane, c'est beau comme nom. Je savais que la Loire, ou la Seine, la Loire, je crois, hein, prenait sa source au mont Gerbier de Jonc. Moi aussi, je le sais. Hein. Vous savez ça aussi? Oui. je ne savais pas. Où prenait la Roxelane, qui était une rivière de chez moi. C'est pour vous dire qu'à mon avis, on avait quelque part remplacé une partie du cervelet ou du cerveau, la partie qui pense. On avait inculqué que d'une seule chose. Et c'est pas suffisant. Et en plus, bon, aujourd'hui, apparemment, on a essayé de rectifier les choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas si à l'école, maintenant, les livres d'histoire, ou je crois, les livres d'histoire portent quand même l'histoire de l'esclavage. Mais c'était difficile pour le pays colonisateur de dire qu'il y avait des milliers et des milliers d'hommes allongés comme des sardines au fond de la cale, et apportés en déportation. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des gens qu'on avait demandé s'ils voulaient venir. On les avait raflés. Alors ça m'est resté un peu sur le cœur, mais il a fallu que je sois d'âge pour réfléchir. Alors je remarque quand même que dans votre parcours, vous êtes une privilégiée, puisque votre père vous emmène au théâtre, et ça vous ouvre. Ça vous ouvre le monde, et ça vous ouvre au nom de vos rivières, enfin au nom des rivières qui sont les vôtres. On s'arrête sur la cerisée, parce qu'on va regarder... Oui. Ce que vous avez réussi à faire de votre vie. Et ensuite, on reviendra sur les difficultés qui ont jalonné ce difficile chemin de soi
comme on pourrait dire. La Cerisée, mise en scène de Jean-René Lemoine, jouée en 2003 à la Maison de la Culture de Bobigny, dernière représentation il y a un mois à peu près à Nantes. La Cerisée, dans cette mise en scène, revisitée puisque c'est vu à l'antillaise, et donc le drame de Tchekhov transposé, et le drame de la bourgeoisie russe transposé aux colons blancs qui sont perdus dans leur repère. On regarde un extrait de cette pièce. Vous jouez la servante, First, Jenny Alpha. Matin, vous êtes sortie, vous n'avez pas prévenu. Comme tu as vieilli, First. Madame Daisy ? On te dit que tu as drôlement vieilli. Oh, ça fait longtemps que j'existe. On voulait me marier que votre papa n'était pas encore de ce monde. Et quand ils ont mis la liberté, moi, j'étais là comme gouvernante. J'ai pas voulu de la liberté à cette époque. Je suis restée chez les maîtres. Je m'en souviens. Ils étaient tous joyeux. Joyeux de quoi? Ils n'en savaient rien eux-mêmes. Avant, c'était très bien, au moins on vous battait. Ah ben oui. Les paysans et leurs maîtres. Les maîtres et leurs paysans. Maintenant, tu te sens dessus dessous, on n'y comprend plus rien. Tais-toi un peu, Fierce. Plaisir, j'imagine. Oui, j'aime beaucoup cette pièce. Et j'aime beaucoup Tchekhov. J'avoue honnêtement que je ne connaissais pas bien Tchekhov. Je connaissais Tolstoï, m'ennuyait un peu, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais Gogol, j'aimais Dostoïevski, j'ai toujours aimé l'âme russe. J'ai trouvé qu'il y avait une similitude entre l'âme russe et près à la fois du rire et des pleurs. Et il y avait une similitude pour moi avec les Antilles. C'est la même sorte de mélancolie, de nostalgie et en même temps de gaieté. Et je trouvais que Tchekhov, avec cette adaptation qu'a faite Jean-René Lemoine, me redonnait absolument le vécu des Antilles. C'est-à-dire, quand l'esclavage a été aboli, beaucoup de Noirs sont partis et les colons blancs, les grands plans, c'était pas des colons à ce moment-là, c'était des grands propriétaires terriens, ont perdu leurs esclaves. C'est là qu'on a commencé à faire venir les Chinois, les coulis, c'est les Indiens qu'on appelait improprement coulis, et pour pouvoir suppléer à la main-d'œuvre, qu'est-ce qui allait couper les cannes à sucre? Qu'est-ce qui allait faire le rhum? Qu'est-ce qui allait faire le sucre? C'était pas les blancs. D'abord, ils ne savaient pas. Mais ils savaient faire. Travailleurs immigrés. Voilà. Alors, voilà. Donc ça a commencé une grande émigration. Jenny Alpha, vous arrivez à Paris, en France, à 19 ans. Si j'ai bien lu votre parcours, votre première apparition sur une scène de théâtre, c'est Jean Genet. C'est en 1960. 1910, votre naissance. 1960, votre première apparition au théâtre. C'est pas la première, non? Il y en a eu quelques-unes, ah oui, quelques-unes avant. Un peu difficile, quand même. Ah oui, c'était très difficile. Et je note qu'il y a 50 ans d'écart. Oui, c'est dans ces 50 ans, il y a quand même beaucoup de galères pour arriver à être comédienne et à être finalement reconnue chez Genet en 1960. Pourquoi est-ce que ça a été aussi difficile d'être comédienne, d'être reconnue comme telle? Et qu'est-ce que vous avez dû faire? Quels sont les chemins de traverse que vous avez pris parce que la comédie vous plaisait, parce que le spectacle vous plaisait, parce que la musique vous plaisait? Racontez-nous les différentes étapes. J'ai commencé par vouloir faire du théâtre, bien sûr. Et là, quand on faisait ce qu'on appelait, on n'appelait pas casting. On faisait venir des gens pour les interroger. Et les metteurs en scène français étaient très frileux. Mon imprésario, Bélisario, me disait « Vous ne voyez pas une femme noire jouer Phèdre ou jouer Cléopâtre ou jouer... » Le public rirait. Et moi, je me fâchais. Je disais « Mais comment le public n'est pas aussi bête? Si vous voulez l'élever, vous nous avez appris Racine, Corneille, Molière et vous nous empêchez de parler d'eux. Vous nous empêchez de jouer du Racine ou du Molière. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ça a été sans arrêt des disputes comme ça. Et quand Henri Ronce, qui était un jeune metteur en scène belge, m'a demandé de jouer dans Rodogune, une des pièces préférées de Corneille d'ailleurs, alors là j'ai senti que je pouvais utiliser ce français qu'on m'avait tout de même appris à l'école, puisque je ne parlais même pas le créole. Parce qu'on nous interdisait de parler créole.
L'illustration que vous êtes en train de faire de cette difficulté, de cette frilosité ou de cette peur des metteurs en scène était illustrée chez nous, dans l'émission des Mots de minuit, en 2003, par un comédien qui s'appelle Bakary Sangaré, comédie française. Il entre à la Comédie française et c'est presque aussi pour lui une première dans l'œuvre de Marine Diaye qui s'appelle « Papa doit manger ». Écoutez ce qu'il nous disait sur exactement... Il nous rejoint. Oui, il dit à peu près la même chose que vous. C'était le 5 mars 2003. Il est en face du comédien réalisateur Sid Ahmed Agoumi. Écoutez-le. Oui, bien sûr. La question me ramène vraiment à l'origine des hommes. Alors, si on est tous les fils de Ève et d'Adam, alors est-ce que c'est vrai déjà? Et l'origine de l'homme, c'est parti d'où? Alors, les restes d'il y a des siècles et des siècles se trouvaient où? Alors, petit à petit, la question... Elle s'amenuise ou elle trouve sa réponse naturellement. Et on s'aperçoit que... moi, quelquefois, face à une question comme ça, j'aurais bien voulu que Molière soit encore vivant. Et je suis sûr qu'il bousculerait les choses à un endroit où on ne l'imagine pas. Et qu'il serait capable de nous amener beaucoup plus loin que l'épiderme, ou beaucoup plus loin que la couleur de la peau. Voilà, je lui posais la question, comment est-ce que vous expliquez que ce soit aussi difficile pour un noir de jouer dans le répertoire classique français? Ça, il faudrait peut-être demander aux metteurs en scène, parce que les auteurs, regardez, ils ont écrit, beaucoup d'auteurs ont écrit des choses dans lesquelles il y a des noirs, mais jusque-là, il y avait... comment s'appelait encore Habib Benglia, qui est un magnifique auteur sénégalais. C'est le seul qui a pu jouer Othello, et encore, dans Othello, c'est un mort, ce n'est pas un Africain. Et c'est la seule, presque une des seules pièces qu'il a pu jouer. Il a joué après, dans des films, bien sûr. Je ne sais pas, je crois que... Et on a attendu longtemps pour accepter ça. Il a attendu très longtemps. En métropole, comme on dit. Mais je ne sais pas, je crois que les Italiens sont moins frileux, les Américains aussi... Ça dépend lesquels. Je crois que dans l'esprit colonial français, il y avait le fait que c'était impensable. C'était impensable qu'un noir ou une noire puisse jouer au théâtre. La preuve, puisqu'on m'a dit, tout le monde va rire quand on verra sur scène, ce qui ne s'est pas produit du tout. Mais quand vous êtes arrivé sur scène, avant, vous avez été obligé d'aller jouer avec du jazz, de monter... Un orchestre. J'ai fait du cabaret avant. Racontez-moi cette période du cabaret. Ah, voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé que... On était à quelle époque? C'était à 1945-46. Ouais, ouais. J'étais au musée Guimet. Ouais. Ça, c'est votre groupe, hein? Qu'est-ce qu'on voit? Avec le fanion. Oui, les pirates du rythme, on s'appelait. Et c'était vous? Ingénument, c'était mon orchestre. Alors, on avait un petit drapeau comme ça, et on s'était intitulé les pirates du rythme. Enfin, c'est moi qui avais trouvé ce nom pour mon orchestre. Parce que l'orchestre est venu au fur et à mesure. Au cabaret, un jour, il y a une jeune femme qui m'a vue au musée Guimet, et qui m'a... Madame m'a dit Sauvageau. Je travaillais pour gagner un peu d'argent comme étudiante et je faisais le compte-rendu des livres, l'Alexandra de David Neil, de Georges Herbert. Et on m'a demandé, et je chantais et je voyais que le public m'applaudissait parce qu'elle m'avait demandé de faire une causerie avec elle sur la Martinique et les survivances africaines dans des chansons antillaises. Et c'était mon dada, c'est ce que j'adorais, je recherchais toute l'Afrique. Vous aimez encore fredonner aujourd'hui? Ah oui, j'aime beaucoup chanter. Allez-y, comme ça. Un petit air, qu'est-ce qui vous vient comme ça? Mon poco aimé, mais mon j'attrape l'imbé. Mon poco chamel, mais mon j'affectionné. Ah, tu chéris en moi, si vous aimez moi cher, si vous affectionnez moi. Faut que nous peut rester d'accord, moi, je supposais
que l'on vous est fidèle. Si moi-même, chais, faut que nous peut rester d'accord. Mais moi, il me reste très peu. Alors, cet orchestre, 1950-1966, cet orchestre s'appelle l'Orchestre Attractif de Jazz, c'est ça? J'ai bien noté? Non, c'est l'Orchestre Attractif, pas de jazz. Pourquoi attractif, l'Orchestre Attractif? Parce que, comme on m'avait empêché de faire du théâtre, comme on ne voulait pas de moi au théâtre, et comme j'aimais danser, je profitais de cet orchestre pour mettre à mes musiciens des Spencer, Bordeaux, des chemises de dentelle, à la Toussaint d'ouverture. Moi-même, je me déguisais le plus que je pouvais, et on jouait la comédie. On faisait, en somme, des petits sketchs à la Ray Ventura au petit pied, hein, parce que Ray Ventura, c'était un grand bonhomme. Mais on jouait des sketchs. Et vous croisez Duke Ellington? Pardon? Vous avez croisé Duke Ellington? Oui, ça c'est une chose extraordinaire qui m'est arrivée. Parce que je connaissais très bien une grande famille qui s'appelait les Levy Alvarez, qui tenait la boîte à musique, une boîte qu'ils avaient, qui avait commencé à propager les disques américains après la guerre, et le jazz et tout. Et on m'invite chez Gallimard à une soirée où il y avait Duke Ellington, enfin vers 6h du soir. Et j'arrive chez Gallimard, et je vois un grand monsieur qui traverse toute la salle, un espèce de grand couloir chez Gallimard, et qui me prend dans ses bras, qui me dit « You look like my sister ». Je regarde, mon cœur tombe à mes pieds, c'était Duke Ellington. Vous l'avez ramassé? Je l'ai ramassé, je l'ai donné à Duke Ellington. Duke Ellington, on l'écoute, 9 mars 1974. C'est son dernier concert donné à Paris. C'est une retransmission. Ça datait de novembre 1973. C'était dans le cadre du festival Newport. Il est mort en 1974, oui. En mai 1974. Mood Indigo, extrait. Oh, Mood Indigo. Jenny Alpha, à l'époque du Duke, à l'époque de l'orchestre attractif, est-ce que vous posiez la question de votre rapport à la couleur de peau différente? Est-ce que vous aviez l'impression, je ne sais pas, je vous le demande, d'être finalement utile là où vous étiez, c'est-à-dire une distraction pour les Blancs, pour être un peu vulgaire et trivial? Je ne pensais pas à tout ça. D'accord. Je pensais pas. Je pensais au chant, à la danse, à l'orchestre. Je pensais à amuser le public qui était en face de moi. J'avoue que je me disais bien que je n'étais pas sur le même pied d'égalité. Ça se sentait, voyez-vous. C'est vrai. Mais enfin. Je voudrais vous faire écouter Aimé Césaire, juillet 95. Il parle du poète guyanais Léo Gontran Damas et de sa notion de négritude. Et aujourd'hui, j'aimerais vous demander, mais on va l'écouter d'abord, si vous considérez que ces populations différentes, dans des activités différentes, sont réconciliées aujourd'hui. On écoute d'abord la négritude et cette revendication fondamentale qui est la vôtre. J'ai entendu dire que notre univers était plutôt un univers clos. C'était avant tout le lycée. C'est pourquoi nous admirions tellement Damas. Celui-là était dans le monde. Celui-là connaissait Paris. Celui-là connaissait les boîtes de nuit. Celui-là connaissait les boulevards. L'obsession nègre, et ça, l'intuition première, la douleur nègre, la joie nègre, le sarcasme nègre, le ricanement nègre, l'a senti avec une force extraordinaire, et sans le dire en termes philosophiques, ce que j'appelle la déréliction nègre. Oui, orphelin de sa terre,
de sa Guyane, orphelin de sa civilisation, de l'Afrique mère. Et puis alors, ce rythme de jazz perpétuel. Il faisait en poésie naturellement du jazz. Orphelin de l'Afrique mère, dit-il. J'ai un bonheur à l'écouter. Ils ont été, les trois, Léopold Sédar Senghor, Césaire et Damas, ont été mes trois initiateurs dans l'art de comprendre l'Afrique. C'est grâce à eux, je les ai connus. J'étais à Sorbonne à ce moment-là, je préparais l'histoire et la géographie. Ils n'ont pas voulu de moi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas assez assidue. Ah oui, bon, ça, d'accord. Mais vraiment, alors là, vraiment grâce à Damas, j'adorais Damas. Les deux autres, je les aimais beaucoup, mais Damas avait une sensibilité d'écorché vif. Il était en classe aussi avec mes frères. Ce sont des camarades de collège. Ils venaient à la maison. Je les connais toute petite, enfin jeune. Ils venaient déjeuner souvent à la maison. Ils étaient orphelins. Ils étaient allés de la Guyane. Hein. Ils étaient allés à la Martinique. Et c'est un souvenir d'enfance qui m'est resté très fidèle parce que Damas me plaisait beaucoup, beaucoup. Et j'aimais. J'ai lu Pigment, évidemment, Minerai, Pigment, et puis plus tard René de Pestre avec Minerai noir. Bien sûr. Mais Damas me touchait jusqu'au fond de l'âme, vraiment. C'est pour moi un être étonnant, étonnant. Génial, enfin, une toute dernière question. Aujourd'hui, les Occidentaux continuent sinon à dominer le monde, du moins à le penser à leur own, comme on dit. Selon vous, qu'est-ce qu'ils n'entendent pas de la négritude? Je ne comprends pas très bien. L'âme occidentale veut toujours conquérir, veut toujours dominer, comme vous dites si bien. Mais je crois qu'il faut reconnaître aux autres leur richesse, parce que les autres peuvent vous apporter aussi de la richesse. Et vous pensez qu'on ne le fait pas? Quand je dis « on », c'est « nous ». Oui, je pense qu'on est quand même sur le chemin. J'ai l'impression qu'il y a une petite ouverture. Ça, je veux bien le croire. J'ai touché mon coup. Je veux bien croire qu'il y a une petite ouverture. Mais je crois qu'on n'empêchera pas certains blancs, quoi, de se croire une race supérieure. Et pour moi, il n'y a pas de race supérieure. Autrement, où serait la civilisation hindoue, la civilisation chinoise? Rassurez-vous, pour nous non plus. Hein. Philippe Villemus, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Génie Alpha? Deux choses. D'abord, moins peur de vieillir. J'ai pendant très longtemps, pendant jusqu'à 40 ans, j'ai eu peur de vieillir, etc. J'ai toujours un peu peur de vieillir. Et quand je vois Génie Alpha, je me dis, ben, finalement, on peut faire encore des choses magnifiques après 80, après 90 ans. Ça, c'est la première chose que j'ai entendue. Ça me rassure un peu parce que j'ai une peur de vieillir terrible. Tous les âges de la vie sont très beaux. Et puis la deuxième chose, c'est le cloisonnement de nos mondes. J'ai été, parce que le cloisonnement entre le monde blanc, le monde noir, j'ai des lacunes, moi. Quand Génie parlait de Tolstoï, de Dostoïevski, ça me parlait, mais quand il me parlait d'autres, les auteurs noirs, on les étudie pas dans les lycées. Moi, je ne les ai pas lus, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou l'ensemble des Français, mais un cloisonnement terrible entre les civilisations. Puis, il ne faut pas utiliser le mot race. Il ne faut pas utiliser le mot race, puisque on m'a bien compris que c'était la même espèce. On n'aurait jamais dû dire race. Nous sommes la même espèce. Ça a inventé racisme. On aurait dû dire un homme. Qu'il soit noir, jaune ou blanc, on aurait dû dire l'homme. L'homme, c'est très beau de dire homme. Enfin, je ne vais pas vous couper la parole. Non, c'était tout. Musique. Et on continue cette conversation. Nathalie Manfrino, chanteuse lyrique, soprano, et Bertrand Chamaillou, pianiste, tous les deux primés aux Victoires de la musique classique 2006. Ils nous interprètent en duo « Au quand je dors », c'est de Liszt, poème écrit par Victor Hugo. Musique. Oh,
Nathalie Manfrino, Bernard Chamaillou, Nathalie Manfrino, qui sortira un DVD à la fin de cette année. Philippe Vilmus, je trouvais que quand je présentais cette émission, je parlais de chemin de traverse. On vient avec Jenny Alpha de parler de son chemin de traverse et de ses difficultés à réussir à être ce qu'elle voulait être, comédienne et antillaise. Chemin de traverse vous convient aussi très bien, puisque vous auriez pu être un cadre très, 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 très supérieur, voire un manager capitaliste, puisque vous étiez doué, vous étiez brillant, vous avez été cadre supérieur dans de grandes marques. Aujourd'hui, vous avez choisi d'être professeur à Subdeco Montpellier, actuellement, conférencier, écrivain. Première question, pourquoi est-ce que, alors qu'une carrière brillante s'offre à vous, vous décidez, peut-être parce que vous avez peur de vieillir, de faire autre chose ? Il y a toujours eu des chemins de traverse dans ma vie, en fait. Je pense que je n'étais pas prédestiné à faire une carrière dans l'entreprise. Je viens d'un milieu social plutôt modeste, heureux. J'étais dans une famille très modeste, dans un milieu social modeste, mais très heureux. Et j'avais cette volonté, quand j'ai compris que j'étais un peu plus doué que les autres à l'école, par contre, de faire une carrière brillante dans l'entreprise, pour me sortir de mon milieu social, mais pour pouvoir faire autre chose après. Pour être libre, parce que j'avais des passions, plusieurs passions, les livres, le sport, les voyages, chose que je n'avais pas pu faire dans ma jeunesse et dans mon enfance. Et donc, je suis rentré dans l'entreprise. Le premier jour où je suis rentré dans l'entreprise, je savais déjà qu'un jour j'en sortirais. Et je savais que pour en sortir le plus rapidement possible et obtenir une indépendance d'esprit et financière, il fallait monter le plus vite possible pour faire autre chose après. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous dites stop ? Ça se passe en une semaine, en un mois, en deux ans ? Est-ce que vous avez des conflits dans l'entreprise ? Quand vous sentez-vous mûr pour dire fini ? Alors d'abord, c'est un projet de 10 ans, c'est une maturation de 10 ans, avec des doutes qui ne sont pas linéaires. Je vais le faire, je ne le fais pas. C'est un soutien familial, une épouse très très proche, qui a la volonté avec moi de changer de vie et d'incurver le cours du destin. Et c'est surtout partir quand tout va bien. Donc moi, je n'ai pas fui. Je n'ai rien fui du tout. Je ne suis pas parti en situation d'échec, au contraire. J'ai attendu. Dans ma dernière entreprise, qui était une grosse multinationale française dans les cosmétiques, d'avoir réussi, d'avoir le vent en poupe pour partir. Et je conseille d'ailleurs à tous ceux, parce qu'on me pose beaucoup des questions, mais comment on fait pour changer de vie ? Parce que c'est quand même pas le rêve ou le fantasme. Mais comment fait-on pour changer de vie ? Ben, ça se prépare. Et surtout, ce n'est pas une fuite. C'est un geste positif. Parce que je crois que quand on part, quand on a des problèmes, les problèmes, ils sont dans les valises aussi. Il ne faut pas partir si on a des problèmes. Il faut les affronter. Moi, j'ai eu des problèmes dans ma carrière, je les ai affrontés. Et quand ça allait bien, là, j'ai dit, bon, maintenant, on peut le faire. Vous êtes écrivain, notamment, vous êtes conférencier, vous êtes encore consultant, ce qui permet de mettre encore un peu de beurre dans les épinards, j'imagine. Et je prends ce que vous publiez chez Des Clés de Brouwer. J'ai oublié, c'est le contre-pied de Pérec. Ouais. Hein, et par exemple, vous dites ceci, j'ai oublié le nom de tous les arbitres qui ont arbitré les finales de Coupe du Monde depuis 1974, mais je me souviens des résultats. Allez-y. En 1974, l'Allemagne bat la Hollande 2-1. Après, en 1978, au tir au but, enfin, pendant les prolongations, l'Argentine bat les Pays-Bas 3-1 après prolongation. Après, on est en 82, l'Italie bat l'Allemagne 3-2. Puis après, on est en 86, l'Argentine bat l'Allemagne. Bon, on le croit. Hein, à mon avis, c'est tout. Et dans votre actualité, il y a le dieu football, ses origines, ses rites, ses symboles, publié chez Erol. Donc on a bien compris que le football vous passionne. Maintenant, je peux le dire, parce qu'avant, je ne pouvais pas trop le dire. Le football, jusqu'avant 1998, le football a une très mauvaise image en France. Et dans les milieux élitistes, et surtout dans l'entreprise. Ça fait prolo, ça fait populo. Ouais. Mais le foot, ça fait pas très bien. Et donc là, c'est une réhabilitation. C'est-à-dire, il y a aussi dans votre livre toute cette part négative du football. Hein, la violence, l'argent. Ça aussi. Violence, argent, dopage. Dans votre parcours,
Coupe du Monde 1998. Vous y travaillez entre 1994 et 1998. Vous êtes directeur marketing, vente, partenariat. Oui, tout à fait. Donc j'étais chargé du financement. C'est moi qui faisais rentrer l'argent, entre autres, avec mes équipes, bien entendu. Et donc vous avez accès à toutes sortes de documents d'archives, mmh. Et vous essayez de nous prouver, et je note la conclusion, retrouver le plaisir du jeu. Le football n'est pas l'opium du peuple, mais l'opéra du peuple. Il y a du travail au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gangrène quand même dans le football. Hein, et ça, il y a beaucoup de gangrène. Oui, ça vous le dites. Mais on sent bien que ce jeu de balle, qui est sans doute l'un des plus vieux jeux qu'on puisse imaginer, qui est antique. Vous écrivez par exemple ceci, et c'est vrai que moi j'avais des... Enfin, on voit régulièrement 22 personnes courir après une balle, mais on n'a pas forcément cette dimension que vous soulignez. On y prend la mesure de l'univers, des autres et de soi-même. Car dès le coup d'envoi, tout devient clair. Le monde a un but, il n'est plus désordonné, énigmatique, sans espérance. Les héros, les dieux et les hommes sont au même rendez-vous, avec les mêmes règles. Ils vont jouer au grand jeu du destin et de la fatalité, où se côtoient la joie et la tristesse, l'amitié et la haine, la solidarité et la violence, la vie et la mort. Avec le football, c'est tout un monde qui s'embrase, parfois dans l'outrance et la fureur. Argumenté. Je pense que le match de foot, le foot est le sport le plus populaire sur la planète. Il écrase tout sur son passage. On va le voir dans 6 mois quand il va y avoir la Coupe du Monde. Et si on revient aux racines, en étudiant tous les documents historiques que j'ai eus à ma disposition, on s'aperçoit qu'on joue au football depuis 3000 ans. Avant Jésus-Christ, déjà les hommes ont déjà joué au football. Et pourquoi cette fascination? Pourquoi le pied? C'est ça qui... Je suis parti du pied, en fait. Pourquoi le pied, qui est la partie la moins noble, la moins sociable, la moins facile à appréhender du corps humain, pourquoi les hommes ont décidé de ne pas utiliser leurs mains, mais le pied pour jouer au ballon, et sûrement pour se rendre l'égal des dieux? Mmh. Et le football est vraiment pour moi une sorte de rituel sacré. Métaphore de la vie. Il est une métaphore de la vie. Et dans l'enceinte du stade, spectateurs, joueurs, dirigeants, arbitres, se joue une représentation théâtrale qui est la représentation de la vie. Vous dites que les grands rassemblements sportifs constituent de nouveaux rituels religieux. Ils expriment, comme l'entendait Durkheim, des sentiments collectifs qui permettent l'unification des groupes sociaux. Chaque village, ville ou pays prend conscience de soi dans l'action commune et les sensations de vivre à l'unisson. Les drapeaux, couleurs, emblèmes, trophées et les symboles ont pour fonction de faire perdurer les représentations collectives formées lors des communions d'un groupe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans ce qui est devenu le football, et avec toutes les dérives, on achète des matchs, on paye des sommes colossales les joueurs, est-ce que vous pensez que le football a encore ce sens-là, ce sens à la fois de rituel et ce sens de métaphore de la vie? Ah oui, moi je pense que le football s'est désacralisé, mais il a conservé tous les rituels. La musique... Comme dans les messes, on sait que la musique est très présente dans tous les rituels sacrés, donc on utilise la musique. Les couleurs, les spectateurs se peignent, se maquillent, les mascottes, les totems qui représentent la tribu, les drapeaux. On remet une coupe, qui est un instrument de culte par essence. C'est là où on mettait le sang, la quête du Graal. Le combat entre le bien ou le mal, selon le camp que l'on soutient. L'éternelle lutte entre le jour et la nuit, entre le bien ou le mal, et entre la fertilité et la sécheresse. Vous pensez que les joueurs sur le terrain ont conscience de ça? Je pense qu'inconsciemment, psychanalytiquement, je dirais oui. Coupe du monde de football, Mexique 1970, qui a gagné? Brésil, la plus belle de toutes, 4-1. Bien fait pour les Italiens. Ah, c'était la plus belle équipe. Et c'est sûrement la Coupe du Monde où il y a eu le moins de hasard. Parce que gagner une Coupe du Monde, c'est toujours une part de chance incroyable. C'est pour ça que le football est fascinant. Parce que ce n'est pas forcément le plus méritant qui gagne. Ce n'est pas forcément le plus riche. Pied de nez au destin. Le football rappelle à tous les êtres humains que le mérite ne suffit pas parfois pour réussir, malheureusement. Les Italiens n'ont donc qu'à bien se tenir. Extrait de la retransmission. Donc, nous sommes au Mexique, c'est le 21 juin 1970. Quelques images du premier et du dernier but de la rencontre. Document d'époque, le son laisse un tout petit peu à désirer. Regardez.
qui effectue un travail considérable en défense depuis le début. Tête de Pelé, but ! Tête de Pelé ! Tête de Pelé, but ! Revoici l'action. La touche, un centre de Rivellino. Pelé se détend, Alberto Zi est battu. 1-0. C'est déjà du délire dans le stade Aztec. Zaïre en position d'ailier gauche. Et face Paquetti donne à Pelé, qui a quelqu'un sur sa droite, le capitaine Carlos Alberto qui tire en pleine course. Quatrième but du capitaine Carlos Alberto. Ah, je pense que le Brésil va remporter cette Coupe du Monde. Jean-Michel, un petit mot de fin. Oui, eh bien vous savez, moi, nous sommes restés muets ici, cloués sur notre fauteuil. Ce fut un match fabuleux, fantastique. Vraiment, Pelé et le Brésil ont été fantastiques. C'est une des plus belles finales, je pense, de l'histoire de la Coupe du Monde. Pierre Leclerc, votre avis maintenant ? On ne trouve pas assez de superlatifs pour qualifier cette grande finale. Une finale qui, je crois, marquera dans les annales du football. Quand on a assisté à une rencontre pareille, j'ai l'impression que l'on peut dire que après Austerlitz, vraiment, j'y étais. Commentaire, Philippe Vilmus. Bah c'est sûrement on a reconnu Drucker d'ailleurs. Tiens, ouais, bon. C'est une des plus belles finales de Coupe du Monde. C'est sûrement la meilleure équipe de foot qui ait jamais existé. Quel âge aviez-vous à l'époque ? J'avais 9 ans. Ouais. Mais je regardais déjà. Déjà ? Je regardais déjà. Et ensuite, vous êtes allé dans l'entreprise et vous regardiez en cachette, donc. Hein, j'ai bien compris. Ah non, je ne regardais pas en cachette. J'ai travaillé en Italie, puisque j'ai été PDG de la filiale en Italie, et j'étais un des rares PDG qui faisait installer des télés grand écran dans toutes les salles de réunion et qui autorisait tout le monde à regarder le match. Comme ça me permettait aussi, moi, d'avoir un alibi. Donc je payais l'apéritif à mes équipes sur mon budget, et je peux vous dire que, par exemple, à l'Euro 2000 en Italie, pendant l'Euro 2000, c'est vrai qu'une partie de la filiale italienne n'a pas beaucoup travaillé, mais parce qu'on regardait les matchs. Et vous avez eu à rendre des comptes ? Non, parce qu'on avait de bons résultats. En 2002, pour la Coupe du Monde, j'avais fait installer une télé dans la salle de réunion principale de l'entreprise, là où il y avait le comité de direction, et une petite télé dans mon bureau aussi, où mes collaborateurs avaient le droit de venir regarder, parce que quand on était une entreprise internationale, il y avait des Coréens, des Japonais, des Italiens. Il y en a beaucoup, des managers comme vous ? Non, je ne crois pas. Enfin, j'en sais rien, je vous pose non, la question. Non, je ne crois pas. Philippe Vilmus, délocalisation, aurions-nous encore des emplois demain ? Aurons-nous encore des emplois demain ? C'est publié au Seuil, c'est un livre que vous avez écrit avant le Dieu Football, et là qui concernait l'activité que vous avez quittée. Votre constat est assez pessimiste. Les chances que vous donnez à des pays comme le nôtre et plus généralement à l'Europe de s'en sortir ne sont pas évidentes par rapport aux pays émergents qui captent tout et vers lesquels les entreprises du CAC 40 ont la tentation d'aller. Il faut faire attention à ce que je vais dire, parce que sinon je vais être taxé de déclinologie. Je pense en tout cas que le problème est beaucoup plus grave que ce qu'on ne le pense. Je pense que le problème des délocalisations, de la restructuration au niveau mondial de toute l'économie et des entreprises est un très 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 grave problème pour l'Occident. Mm-hmm. C'est une très grande chance pour d'autres pays comme l'Inde ou la Chine. Mais vu de France, c'est un problème, à mon avis, qui est beaucoup plus important qu'on ne veut bien le dire dans les médias ou dans le monde politique. Avec cette question, me semble-t-il, fondamentale que vous posez, la vraie question serait comment matérialiser les bienfaits de la croissance des pays émergents pour tous les salariés des pays riches. Autrement dit, vous dites, vous faites le constat suivant, c'est inéluctable. Il faut savoir que les pays émergents sont ceux qui aujourd'hui produisent, chez qui on va créer de la richesse. La question est donc de savoir comment cette richesse peut-elle revenir chez nous. Et vos solutions sont... Il y en a assez peu, parce que vous éliminez les politiques nationales de repli, et vous dites il faut l'éducation, la formation, la recherche et les emplois hautement qualifiés. Oui, le problème, c'est qu'il faut rester modeste. Je ne fais pas partie de ceux qui disent le problème est difficile et je vous apporte les solutions. Ouais. Moi, je dis le problème est difficile et les solutions sont très difficiles et complexes à trouver. Je pense que la mondialisation, comme tout grand phénomène économique, a des avantages et des inconvénients. Le débat est de savoir si on va prendre en pleine poire seulement les inconvénients et on va manquer les opportunités.
Maintenant, pour saisir les opportunités... En même temps, vous dites aussi, dans les opportunités, il y a la flexibilité, il y a ce genre de choses qui, aujourd'hui, socialement, posent un problème. Oui, le problème de saisir les opportunités, c'est que ça va avoir un coût, ou il va y avoir de la casse. Soit ça aura un coût que malheureusement les situations des finances publiques ne peuvent pas permettre de se payer ces coûts, ou alors il va y avoir une génération un peu sacrifiée. Oui, la génération que j'appelle les boucs émissaires d'ailleurs, les générations des gens peu qualifiés, les ouvriers, qui d'ailleurs sont en train d'être culpabilisés. Il y a certains discours qui me choquent, venant de certains d'ailleurs patrons, pas tous, mais on a l'impression qu'on dit aux gens « c'est votre faute, vous n'avez qu'à bien vous former ». Et moi, j'y peux rien, monsieur. Pendant 25 ans, j'ai fait du textile. On m'a pas dit que c'était mauvais, ce que je faisais. Maintenant, on me dit que je suis bon à jeter. Mais personne ne m'avait prévenu avant. Donc, il faut faire attention de ne pas rendre coupables des gens qui n'y sont pour rien. Le problème de la formation et de l'innovation, c'est que ça va prendre 15, 20 ans. Voilà, donc c'est l'idée de la génération sacrifiée. Et dans ces générations sacrifiées, à la limite, on peut parfois se contenter de sacrifier, quand on est cynique, les ouvriers. Sauf que vous dites qu'aujourd'hui, ça concerne également les cadres. Et que les cadres sont concernés aussi par les délocalisations. Les délocalisations, aujourd'hui, ont pris une tournure qui est beaucoup plus inquiétante. C'est qu'au début, c'était simplement les métiers peu qualifiés, les emplois bas salaires qui étaient touchés. Peu à peu, ça a été les emplois un peu plus qualifiés, les services. Et on assiste, dans ce début de 21e siècle, à des délocalisations à plus grande échelle de services intellectuels, de laboratoires de recherche, de centres d'innovation. Grâce à Internet. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Grâce à la technologie. Vous écrivez ceci, par exemple. Un mot restait à inventer, celui désignant ces entreprises gigantesques présentes sur les 5 continents qui sont en situation soit de monopole, soit d'oligopole sur leur marché mondial. L'entreprise était locale, puis nationale, puis internationale. Elle exportait vers d'autres pays, puis multinationale. Elle s'implantait dans plusieurs pays. Elle va devenir au XXIe siècle méga multinationale. On pourrait parler ici d'entreprises du cinquième type. Elles installeront leur siège social dans des paradis fiscaux ou en Suisse. Leur direction financière sera basée à New York, près de Wall Street, et des analystes financiers et des banques d'affaires. Les usines et les sous-traitants seront répartis dans les zones où les salaires sont meilleurs marchés et se déplaceront au fil du temps dans des pays où les salaires seront encore plus bas. Les centres de recherche seront localisés dans les lieux où on trouvera des spécialistes hautement qualifiés, un environnement intellectuel favorable et des universités de pointe. Les services d'informatique administratifs et de gestion seront basés en Inde, par exemple. Dans tous les autres pays, on ne trouvera que des filiales commerciales entrant en contact physique avec les clients locaux. Vous dites ceci, et on a d'abord assisté à une délocalisation où ce qui était important, c'était la productivité. Il fallait que ça coûte moins cher, donc on réduisait les coûts parce que les salaires étaient moins chers. Mais vous parlez aussi aujourd'hui de délocalisation de conquête. Délocalisation de conquête qui contribue à ne pas créer d'emplois dans les pays où étaient basées initialement les entreprises. Oui, alors les délocalisations de conquête sont quand même positives dans un premier temps parce que parfois les entreprises sont obligées de s'implanter à l'étranger pour contourner des barrières douanières, pour se rapprocher des clients. Donc ça, c'est positif, puisque les profits sont ensuite rapatriés dans le pays d'origine. Mais c'est vrai que même les délocalisations de conquête nuisent en quelque sorte à l'emploi par non-création d'emploi. Une question, une réponse rapide. Est-ce que vous ne sous-estimez pas un peu la capacité du politique à intervenir au moins à la marge? Je pense, dans votre livre, vous citez un moment Blair qui dit « ça se fait comme ça et moi j'ai pas à intervenir ». On peut se souvenir de Lionel Jospin parlant de Villevorde en disant « franchement j'y peux rien ou je ne peux rien faire ». Est-ce qu'on peut pas attendre quand même encore un peu de l'État? Moi je pense que le politique a peut-être peu de moyens pour s'immiscer dans la sphère économique. Par contre, sur le plan politique, le politique a un vrai rôle à jouer, en particulier sur la question des droits de l'homme, sur le respect du travail international. Parce qu'à l'heure où on se parle, il y a des enfants dans les pays émergents qui fabriquent des produits alors que c'est contraire au droit international. Le travail carcéral est utilisé en Birmanie ou dans certains pays du tiers-monde, ce qui est interdit par le droit international. Donc il y a le manque de démocratie dans certains pays, comme la Chine éventuellement, qu'on pourrait citer. Donc le monde politique, via l'ONU, via d'autres institutions internationales, pourrait en tout cas demander le respect des règles en place. Il n'y a pas besoin d'en créer d'autres. Elles existent, en particulier le respect du travail international. Je note également que dans votre livre, vous soulignez le rôle primordial de la recherche du profit.
bien sûr, et que vous soulignez aussi la vaste restructuration du capitalisme qui est en train de se mettre en place. À ce propos, et comme vous n'avez plus votre langue dans votre poche, j'ai une question sur ce qu'on appelle le capitalisme managérial. Et pour introduire cette question sur le capitalisme managérial, regardez ce sujet du journal de France 3 du 21 avril 2005. On parle des golden parachutes, autrement dit, de ces sommes faramineuses que touchent les managers quand ils quittent leur entreprise, même s'ils ont tout fracassé dans l'entreprise. On peut penser à Vivendi et à d'autres. Alors, pour mémoire, Daniel Bernard quitte Carrefour avec 38 millions d'euros. Philippe Jaffré avait quitté Elf avec 30 millions d'euros. Igor Landau, Aventis, 24 millions d'euros. Jean-Marie Messier, Vivendi, 20 millions d'euros qu'il n'a jamais touché. Ou Pierre Bilger, Alstom, 4 millions d'euros qu'il restituera. Donc il y a quand même des patrons qui ont un peu de morale de temps en temps. Extrait de ce sujet. Évincé du groupe Carrefour il y a 2 mois parce qu'il n'a pas su redresser les performances de l'enseigne, l'ex-PDG Daniel Bernard vient d'encaisser la plus grosse prime de licenciement jamais touchée par un patron français. 38 millions d'euros, soit près de 250 millions de francs. La nouvelle a fait scandale chez les salariés de Carrefour qui ont fait grève ces dernières semaines sur plusieurs sites de France pour obtenir une augmentation de salaire supérieure au petit 1% que leur proposait la direction. Nous venons de faire 22 jours de grève pour un ticket restaurant qui représente 1,50 euro. Et notre PDG Daniel Bernard, entre autres, puisqu'il n'est pas le seul, ils sont 9 autres, ont pris le pactole, notamment 36 millions d'euros, s'il n'y a pas de quoi crier au scandale, à la haine, à l'écœurement. D'autant plus choquant pour les salariés à qui la direction n'a cessé d'invoquer les difficultés financières du groupe. Commentaire, est-ce qu'il y a scandale, est-ce qu'il y a écœurement, est-ce qu'il y a un moral? Jenny Alpha parlait tout à l'heure, et vous acquiescez, vous disiez, il faut parler de l'humain. Où est l'humain dans ces sommes considérables et peut-être inconsidérées, je ne sais pas. Moi, ma position est assez claire là-dessus. Moi, je ne suis pas choqué quand un grand joueur de foot, une grande star du cinéma, un grand chanteur de variété, ou un grand PDG qui réussit, qui crée des emplois, qui crée de la valeur, gagne des sommes astronomiques. Je ne suis pas choqué. Il crée de la valeur, il crée des profits, il crée des emplois, je ne suis pas choqué. Là où je trouve que l'on a franchi une frontière qui est insupportable, c'est quand on commence à récompenser l'échec, quand on commence à récompenser la faillite. Donc tous les systèmes qui consistent, et d'ailleurs même le MEDEF, dans tous ses rapports, s'offusque de ça. Quand on commence à récompenser les échecs, là, c'est quelque chose qui ne marche plus dans le capitalisme. Donc, toutes les rémunérations en cascade, les rémunérations fixes qui représentent déjà plusieurs millions d'euros, les bonus, les primes, les golden parachutes, c'est-à-dire ce que l'on vous donne quand on vous licencie, les retraites chapeaux qui garantissent à certains présidents 80% du salaire ad vitam aeternam. Là, on ne peut plus être d'accord. Pourquoi ? Parce qu'un PDG a de lourdes responsabilités. Donc il est normal qu'on rémunère ses responsabilités à la fois de manager et ses responsabilités pénales. Mais pourquoi pérenniser jusqu'à la fin de ses jours, quand il n'occupe plus ses fonctions, par des retraits de chapeau outrancières? Vous posez la question, pourquoi le fait-on? Ben moi je trouve que c'est vulgaire d'abord. Si je devais utiliser un mot, je trouve ça vulgaire. Et je pense que les administrateurs, les conseils d'administration ne font pas assez leur travail. Dernière question, et là on est sur votre chemin de vie. Démo de minuit, 9 mars 2005, avec nous Jean-Christophe Lafaille, il était avec le musicien Pierre Henry. Il a disparu le 26 janvier de cette année, en escaladant à 8000 mètres, le Makalu. Et lui était complètement dans son besoin de se dépasser, donc dans son besoin finalement aussi d'être lui-même. On l'écoute. Aujourd'hui, pour moi, je suis sorti d'un jeu d'adolescent pour devenir adulte à travers cette expérience, je pense. Et aujourd'hui, c'est réellement un jeu d'adulte. Par rapport à tout ce que je vis dans le monde, on va dire, d'en bas, dans le monde réel, ce qui m'attire énormément, c'est quand je suis là-haut, je mesure à quel point, finalement, tous, tant qu'on est sur cette terre, on est à la fois extrêmement fort, extrêmement solide,
Le corps humain a des capacités assez étonnantes. Et en même temps, on est dans une précarité de vie. On est là de passage, finalement, que de passage. Et je trouve que c'est en haute montagne que je ressens tout ça, en fait. Sans mauvaise comparaison, votre haute montagne, à vous, on a bien vu que la Terre, c'était l'entreprise, et l'entreprise telle qu'elle est devenue aujourd'hui, avec ses illogismes, on vient d'en parler. Votre haute montagne, à vous, à Montpellier, à Subdeco, vous êtes dans l'équilibre, vous êtes content? Oui, mais il y a beaucoup de hautes montagnes. D'abord, je crois que, comme disait Adam Smith, même si on faisait que des épingles, il faut exceller dans son travail. Moi, j'essaie d'exceller dans mon métier de professeur, qui n'est pas forcément un métier facile. Je trouve que le métier de PDG était plus facile que le métier de professeur, parce que transmettre du savoir à des gens, à 400 élèves, c'est parfois pas évident. Quand on est PDG, on donne des ordres. Voilà. Donc, c'est le métier de prof. Exceller dans mon travail de recherche, exceller dans mes livres, puis exceller dans ma vie de père, dans ma vie familiale, ce qui n'est pas encore le plus évident, je trouve. Combien d'enfants ? Deux. Ah, c'est déjà pas mal, ça. Ouais. Zeniefa, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Philippe Wilmus ? Eh bien, ça me dépasse un peu. Ce sont des choses qui sont, pour moi, très difficiles à comprendre. Mais je comprends parfaitement l'écœurement vis-à-vis des gens qui n'ont pas fait, en somme, vraiment leur devoir réel et qui portent avec des indemnités extraordinaires. Alors moi, je trouve qu'il y a une grosse injustice, quoi. Je voulais vous dire tout à l'heure aussi que, parce que j'ai parlé des blancs, des noirs, etc., mais que j'ai des amis, beaucoup d'amis blancs avec qui j'ai des rencontres d'âmes. Des amis blancs absolument charmants, on se comprend au quart de tour. Quoi. Nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Ça, je voulais absolument le dire. Vous avez des amis noirs ? Non, parce que vous ne connaissez pas les amis noirs. Eh bien, ce soir, voilà, c'est l'occasion. Ben voilà. Pour conclure là-dessus, j'ai oublié Philippe Wilmus. J'ai oublié si j'ai passé ou non le certificat d'études. À mon époque, il avait peut-être déjà été supprimé. J'ai oublié si mon père l'avait eu, mais je me rappelle que ma mère, non. Voilà, Philippe Wilmus, j'ai oublié. On continue cette conversation avec un moment de musique. On va retrouver dans une seconde Lenny Escudero. Mais avant de parler avec lui, alors lui aussi, t'as un résistant aussi, hein. Toujours, pour le coup, pas beaucoup de chemin de traverse chez lui. C'est ma voix et ma seule voix, sa voix, c'est notamment Pour une amourette qui passait par là, Lenny Escudero. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette qui me disait rien, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains. Pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. Alors je me suis dit, t'es au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. Et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux, j'ai cru que je venais d'inventer le ciel bleu. Pour une amourette qui m'avait souri, je me suis fait honnête, j'ai changé ma vie. Pour une amourette qui savait m'aimer, pour une amourette qui croyait m'aimer, pour une amourette, l'amour éternel dure le temps d'une fête, le temps d'un soleil. Et mon amourette qui était trop jolie, vers d'autres conquêtes bientôt repartie. Le premier adieu a gardé son secret, elle emportait l'amour me laissant les regrets. Mais notre vieux printemps au loin refleurissait, tout contre mon cœur déjà il me disait. Une petite amourette, faut la prendre comme ça, un jour de peut-être, longtemps quelquefois. Va sécher tes larmes, un nouvel amour, te guetter des armes, les peines d'un jour. Une petite amourette, un jour reviendra, te tourner la tête, te tendre les bras, chanter la romance du rêve joli,
et je sais d'avance que tu diras oui. Alors les amours pour toi refleuriront, tu aimeras encore à la belle saison. Une petite amourette n'est jamais trop jolie quand on sait d'avance ce que dure la vie. Léonie Escudero, les plus grands succès, une amourette qui passait par là. Léonie, ça c'est la maison de disques hein, qui fait tous ces trucs-là. Hein. Oui, bah, j'imagine, j'imagine bien. Vous écoutiez la conversation qu'avaient Jenny Alva et Philippe Vilmus, et vous aviez une réaction par rapport à Philippe. Quelle oui, était-elle? J'ai demandé que les produits donc et que les délocalisés fabriquaient là-bas. Qu'est-ce qu'il devenait? Il m'a dit... Ils sont consommés par les pays occidentaux. Voilà. Alors moi, j'ai dit, bah, quand ils reviennent, boum, les droits de douane. Et là, on vous retrouve... Parce que les droits de douane, on peut très très bien les laisser vendre à un prix, je veux dire, très, très bon marché, mais derrière, quand même taper. Alors là, on vous retrouve, vous êtes un militant, vous êtes un chanteur oui, militant. Oui, je suis un militant, oui. Et s'il y a un truc qui me dégoûte assez, c'est, vous voyez, le terme actionnaire. Quelqu'un, parce qu'il a de l'argent, il le place, il ne fout rien. Et de l'argent fait de l'argent. Moi, je ne suis pas un économiste, je ne connais pas grand-chose, mais ce que j'ai entendu ou lu sur le capitalisme, c'était que l'argent servait à produire des richesses. Et que ces richesses, étant donné que pour les produire... Et pas des riches. Il avait fallu acheter le temps des gens avec l'argent qu'on leur a donné pour leur acheter leur temps... Ils consommaient une partie de cette richesse. Et le capitalisme tournait comme ça. Voilà. C'est pour ça que vous disiez, le temps, c'est de l'argent. Oui, parce que j'achète le temps de l'autre pour faire des richesses. Alors, on va parler chansons et on va parler de votre engagement. Je voulais simplement présenter Jessica Holk. Parcours presque identique, enfin, avec des similarités avec celui de Philippe Vilmus, puisque vous-même, vous avez travailler dans la publicité, dans le secteur marchand, et puis un jour vous avez décidé de vous consacrer à la solidarité avec les chômeurs, notamment. Bon, et on y reviendra dans une seconde avec cet objet qui a pour titre Objet chômage, et on va voir comment les chômeurs symbolisent au travers d'objets la situation qui leur est faite par la perte de leur emploi. Léonie Escudero, je disais que vous étiez militant. Alors, vous parliez de l'argent il y a une seconde, mais à un moment donné de votre vie, vous avez quand même engrangé un peu de royalty. Non, je n'ai jamais engrangé. Je ne veux pas dire que... Bon, avec mon premier disque, j'ai gagné beaucoup d'argent, ce qui m'a rapporté, je veux dire, un des plus grands bonheurs de ma vie. Avec cet argent-là, on a construit une maison pour mes parents, qui n'en avaient jamais eu, on leur a donné... Et c'était vraiment l'argent du premier disque. Je ne le dis pas pour faire du pala, mais c'est comme ça. J'ai chanté plus souvent, je veux dire, à l'œil, gratuit, qu'en me faisant payer. Plus souvent. Et je n'ai jamais essayé d'être riche, ça ne m'intéresse pas, je n'en ai rien à foutre d'être riche. C'est vrai que j'ai eu une seule ambition dans ma vie. À un moment, je me suis dit, je veux maintenant que plus personne ne puisse acheter mon temps, parce qu'il y aura du pain à la maison, un toit sur la tête... Et plus personne ne pourra l'acheter. Mais c'est vraiment c'est une ambition singulière. Hein. Deux expressions vous concernant, je trouve qu'elles sont justes. Alors souvent, elles peuvent être galvaudées, mais vous concernant, elles sont justes. C'est citoyen du monde, vous êtes un grand voyageur. En Afrique, par exemple, puisque vous avez fait un séjour en Afrique et vous avez été fier là-bas d'aider ou d'apprendre à des gens... À construire une école. À construire des écoles. Mmh. Hein. Donc, au Bénin. Au Bénin, ah ouais. Et donc, je parlais de citoyen du monde. Et puis, cette deuxième expression, je trouve qu'elle vous va très très bien aussi, c'est éternelle jeunesse. Alors que vous avez quand même... Oui, je suis quand même, oui. Je suis comme vous. Oui, oui.
crois à l'éternel jeunesse. Il est passé pas mal de ponts sous l'eau. Hein. À cette réserve près que, contrairement à nos autres invités, vous n'avez quasiment jamais dévié de votre ligne. Le succès a pu vous tenter, et il y a d'autres chanteurs que vous qui sont partis dans le spectacle et dans le showbiz. Vous, à un moment où vous avez arrêté, vous avez fait le tour du monde, vous avez voyagé, et vous avez continué dans ce qui était votre registre. Comment expliquez-vous cette constance ? C'est facile. C'est très simple. Je vous écoute. Hein. À 17 ans, je me suis planté devant une glace, je me suis regardé. Et à celui qui était dans la glace, j'ai dit, il va falloir que tu t'habitues à vivre avec parce que tu ne changeras plus jamais. Parce que je savais qu'il m'était arrivé l'essentiel pour me faire tel que je suis. Il y a 17 ans, j'étais fait. Et je savais que je ne changerais plus. Il faudrait que je m'habitue à moi parce qu'il n'y en aurait pas d'autre. Carte d'identité, Léni Escudero. Aujourd'hui, depuis 17 ans, qui fait quand même relativement un bail, quelles sont les caractéristiques qui sont les vôtres ? Quels sont les traits de caractère qui sont essentiels pour vous ? C'est difficile pour moi de dire ça, mais si vous me dites quelle est la qualité que vous aimeriez avoir, que les autres connaissent chez vous, par exemple, je pense que vous allez être étonné. Mais il y en a une qui compte énormément, c'est la loyauté, la parole donnée. Moi, je viens du bâtiment et j'ai eu l'habitude, on se touchait la main, il n'y avait pas besoin de contrat. C'était la parole donnée, c'était très important. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Quand vous êtes. Quand vous êtes chez votre producteur. Mais non, quand je suis arrivé dans ce métier, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça du tout. Et alors, ça ne m'a pas donné envie d'entrer dans la famille. Et comment faites-vous aujourd'hui pour. Comment je fais moi, je suis un super privilégié. Ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. Je bouffe mes enfants, mes petits-enfants. Je suis un super privilégié. Je ne suis pas riche, mais je m'en fous de ne pas être riche. Je n'ai pas besoin d'être riche. Moi, mon impresario, au tout début, quand je vendais énormément de disques, qu'on m'entendait beaucoup, qu'on me voyait à la télé et tout, il s'étonnait de les prix que je demandais pour faire un tour de chant. Bon, il faut quand même que je vous dise que moi, j'ai une époque où il y avait 100 000 personnes qui venaient en plein air pour m'écouter. Ça fait du monde, ça fait une recette. Et je prenais toujours des cachets ridicules. Et mon impresario me disait, mais Léni, profite pour prendre de l'argent. Et moi, j'étais sincère quand je lui disais, mais putain, mais j'aurais du talent toute ma vie, qu'est-ce que tu m'emmerdes ? J'ai pas besoin de faire des hold-up, faire des braquages. Toute ma vie, j'aurais du talent. Et il osait pas me dire, oui, mais tu sais, dans ce métier, ça suffit pas. Léni Escudero, il y a une chanson que vous avez écrite qui s'appelait Mal en France. S'il fallait la réécrire aujourd'hui, quelles paroles vous changeriez ou quelles seraient les paroles que vous mettriez dans cette... Je ne changerai rien. Je ne changerai rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut retenir alors de Mal en France ? Quelles sont ce les... que vous voulez. Non mais vos expressions à vous, quelles sont dans cette chanson-là, qu'est-ce que... Moi, j'ai beaucoup de mal, je veux dire, à parler de... De mes chansons, il y a dedans, ça rencontre votre mémoire ou ça ne la rencontre pas. Je veux dire, il n'y a rien à expliquer. On prend ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Mais... Est-ce que vous acceptez, je parlais de Sempiternelle Jeunesse, je parlais de Citoyen du Monde, est-ce que l'expression écorché vif vous convient encore aujourd'hui ? Ou est-ce que vous... Il y a un peu de pommade quand même sur cette... Non, il n'y en a pas de pommade. Il n'y en a pas. Je me réveille tous les matins en colère. Je trouve inacceptable le monde dans lequel nous vivons. Inacceptable. Et je ne l'accepte pas. Et je sais que je ne l'accepterai jamais. Jamais, jamais. Je ne peux pas accepter qu'on sache tout faire. On sait tout faire. Et il y a des gens qui ont faim. Je l'ai déjà dit, mais bon... Quand j'étais môme à la fin de la guerre, on nous a dit, vous savez, la guerre est finie, mais vous allez encore continuer avec vos cartes d'alimentation pendant très longtemps, parce qu'il faut remonter les usines, il faut remettre les gens au travail, patati patala. Bon, et en gros, c'est difficile de gérer la disette. Oui, bon, ben, tout le monde a compris ça. Aujourd'hui, tous les 3 ou 4 mois, on vide les silos de l'Europe, on fout des milliers de tonnes de nourriture qu'on jette.
Alors, ils ne savaient pas gérer la disette, ils ne savent pas non plus gérer l'abondance. Ils savent gérer quoi, nos hommes politiques? Jenny Alpha, est-ce que vous écoutez Léni Escudero? Eh bien, je viens de vous parler de rencontres d'âmes. En voilà une. Les amis, mes amis blancs dont je vous parle, c'est des rencontres d'âmes comme celle-là. Mais moi, je ne suis pas un vrai blanc. Vous n'êtes pas un vrai blanc? Mais je ne suis pas une vraie noire, moi non plus. On est tous, voilà, autant que nous sommes, on n'est pas des vrais de rien. On n'est pas des vrais de rien, exactement, voilà. Exactement. Ah, mais je l'adore. Moi, j'ai... Je l'ai toujours beaucoup aimé. Je suis bien mélangé. Donc, j'ai une fausse noire et un faux blanc ou un vrai blanc. Les rencontres d'âme. C'est tout ça, les couleurs, il ne faut pas en parler. Seulement, je constate une chose, que souvent, les noirs, qui ont toutes couleurs noires, sont invisibles. Alors, c'est quelquefois que, contre ça, quelquefois, que je me mets en colère. Hein, dans l'actualité, ça fait plaisir de voir rire et voir vous sourire. Dans l'actualité, on parlait de musique. Un film, The Saddest Music in the World, c'est un Canadien qui a fait ce film, qui s'appelle Guy Madin. C'est le réalisateur le plus singulier, en tout cas actuellement, du cinéma canadien. Son histoire est la suivante. C'est une jeune femme qui gère une société qui fabrique de la bière. Et comme les affaires marchent assez mal, elle décide de lancer, pour faire repartir son activité, un concours original. Et ce concours original, c'est celui de la chanson la plus triste, la plus triste du monde. Et dans la manière de réaliser, il y a cette ambiance que garde le réalisateur autour des années 20-30. Voici un extrait de ce film, la chanson la plus triste du monde, la musique la plus triste du monde. Lady P. Had a few hours between trains, thought I'd drop in. What? Well, to see how you're getting on. It's a bad time for me. I'm devoured with guilt about the obscene amount of money I'm making at the time where so many people have nothing. I'm sure you do what you can. And I am heartsick about poor Teddy over here, who has a wonderful wife and two beautiful children and has to make me sing in the seesaw. Whenever I asked him, just to keep his job. Don't be embarrassed, Eddie. Idealism and business rarely mix. May I? But I console myself with the thought, Chester, that if I hadn't met you, I might never have done anything to be ashamed of. Why bother with shame at all is my philosophy. Look at the pictures on the wall. Look at them. Tell me what you think. You're everywhere. I'd say you qualify as the star of your own life. When I had a life, that was true. You've got a new dolly. It's nice. Voilà ce film Guy Madin. Je voulais vous signaler, on parle toujours de musique. Ma Aléo, on vous a parlé du film. Voici le DVD publié chez Latéry Productions. C'est un film de Marie Clémence et César Paes. Ça concerne Ma Aléo. Et Ma Aléo est un groupe extrêmement connu à Madagascar, très peu connu à l'extérieur. Et ce groupe est composé de musiciens qui ont par ailleurs tous un travail et qui font de la musique après les 35 heures. Mais je pense que là-bas, il y a un peu plus de 35 heures. Maaleo veut dire en malgache libre, et Maaleo est le groupe le plus populaire de musique à Madagascar. Enfin, dans l'actualité cinématographique, je voulais encore vous signaler Kieslowski. Irène Jacob avait été révélée en 91 par La double vie d'Irène, qui est ressortie en salle la semaine dernière. La vie de Véronique, pardon. Le voici en DVD. C'est un coffret qui inclut la trilogie, trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Le cinéaste polonais est mort il y a 10 ans. Et bien sûr, son absence est ressentie par tous les cinéphiles. Je vous rappelle bien sûr le décalogue. À son propos, je vous signale 2 livres. Les éditions Noir sur Blanc, Christophe Kieslowski, Le cinéma et moi, traduit polonais par Margot Carlier et Véronique
pattes. Et Krzysztof Kieślowski, Double vie, seconde chance, d'Annette Insdorf, qui l'a connu et qui l'a fréquenté, publié chez Cahiers du cinéma auteur. Voilà, toutes ces références, vous les avez bien sûr sur Internet. Ça sert aussi à Internet, ça sert à ça et pas seulement à mondialiser le monde. Voici, un, alors je disais que c'est un objet, c'est un livre, et ce livre a pour titre Objet chômage, et c'est une association qui a décidé de faire ce, ce livre. Quelle est l'intention, Jessica Holck, de ce livre? Comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui essayer de parler du chômage différemment? C'était l'intention, je pense, d'en parler différemment. Je pense qu'il y a plusieurs intentions. Donc la première, c'est de donner la parole directement à des demandeurs d'emploi, ce qui ne leur est pas souvent donné. La deuxième, c'est qu'on pense qu'ils ont des choses à dire et qu'ils peuvent s'exprimer sur leur situation. L'autre intention, c'était de proposer des témoignages différents avec une autre approche, entre autres l'approche visuelle avec les photos, à travers un objet symbolique. Symbolique. Donc c'est vrai que c'est quand même des témoignages symboliques. C'est pas juste, c'est pas du récit de vie, par exemple. Je note dans une des premières pages de ce livre que vous avez demandé à un certain nombre de chômeurs de choisir un objet et chacun a envoyé par la poste cet oui. objet avec une note... Oui, ils sont venus le déposer aussi. Hein, ou sont venus le déposer oui. avec un petit papier hein, que l'on voit ici et je lis par exemple ceci. J'ai choisi cet objet parce que le plus difficile pour moi c'est l'angoisse liée à l'accumulation des dettes, mon chômage, etc. etc. Donc là c'est un flacon de Lexomil par exemple, l'objet qui symbolise le chômage. Mon objet, c'est 100% pur jus d'orange. Il apporte des vitamines C, permettant ainsi de se remonter le moral face aux difficultés de tous les jours, à l'incertitude de l'avenir. Et alors, quand on voit les objets, il y a une bouteille, il y a un objet qui symbolise le temps, il y a beaucoup de médicaments, il y a aussi des objets qui symbolisent la nourriture. On va parcourir quelques-unes des pages de votre livre, avec Marie-Odile, par exemple, 50 ans, Paris, et son objet, c'est une page blanche. Et elle écrit ceci, « Cela évoque la difficulté de commencer à écrire sur une feuille blanche. C'est le rapport qui existe entre l'interlocuteur et soi-même, quelque texte que ce soit. Lorsqu'on s'assoit devant une feuille blanche, il se passe une foule d'émotions. Est-ce que je vais l'avoir, ce job ? L'interlocuteur, qui est-il ? Un homme, une femme, sympa ou pas ? On ne sait pas ce qu'il va recevoir de soi-même. » Comment est-ce que ces chômeurs et ces gens sans emploi, ces personnes sans emploi, sont entrés dans ce projet qui est un projet artistique, culturel? Alors au départ, on a donc on est une association qui rassemble des citoyens qui Solidarité nouvelle face au chômage. Qui, à leur manière, résistent contre l'indifférence face au chômage, et en particulier aux personnes au chômage. Et on agit à deux niveaux. On accompagne les demandeurs d'emploi dans leur recherche, de manière, je dirais, informelle, pour leur permettre de sortir de l'isolement, de parler, d'être écouté sans être jugé. C'est ce qu'on appelle un accompagnement. Chaque demandeur d'emploi étant accompagné par deux bénévoles. Et on a une autre action, c'est qu'avec l'argent des donateurs privés de l'association, on finance des emplois pour certaines personnes qui sont trop éloignées de l'emploi. Et on finance des contrats temporaires dans des associations partenaires. Autre exemple, allez-y. Donc, pour revenir sur comment est né le projet, ouais. Donc cette association rassemble aujourd'hui 1000 bénévoles et on accompagne à peu près 1700-1800 personnes par an. Donc ça reste humble comparé à... quantitativement. Et nous proposons, on a essayé de mettre en place un espace de participation et d'expression des personnes accompagnées. Et donc c'est à l'occasion d'un petit groupe de travail qui s'est monté avec des personnes accompagnées, des accompagnateurs, qu'on a réfléchi à une autre manière de témoigner sur la question du chômage à travers le vécu des personnes. C'est arrivé aussi à un moment donné où on trouvait que, je dirais, le discours ambiant allait de plus en plus vers le chômage, c'est la faute des chômeurs.
Et on a eu envie de faire partager autrement ce que vivait sa personne. Maurice, 50 ans, Guyancourt, la montre, c'est son objet, c'est l'objet qu'il a choisi pour symboliser la situation qu'il a vécue. Elle symbolise le temps qui passe, que l'on passe à survivre au lieu de vivre, que l'on passe à résister au lieu d'exister, mais au travers duquel l'espoir demeure. Et puis, ceci par exemple, Stam, 38 ans, Châtillon, son objet, c'est une carte d'identité dont la photo a été rayée. Parce que, dit-il, parce qu'elle représente pour moi la perte d'identité, et c'est pour cette raison que le visage ainsi que le nom et le prénom sont effacés. Voilà, voilà comment... celle-ci aussi, Christine, à La Roche-sur-Yon, qui choisit comme objet une casserole vide. J'ai eu faim alors que je n'avais plus d'argent pour acheter à manger. Tout est question de priorité, et quand on recherche un emploi et que l'on met l'accent sur sa présentation à des entretiens d'embauche, on se retrouve face à un employeur potentiel, mais avec un estomac vide. Voilà ce qui se dit ici. Et puis Gonzague, 54 ans, Paris, avec son objet est une bouteille. Et il écrit ceci, 1095 jours de chômage, 1095 litres de vin blanc, 1095 jours de dépression, 1095 jours de galère, de haine, d'idées de mort, mais monde indépendance des 23 juillet 2002, grâce à trois femmes, chacune simultanément et sans concertation, Solange, Isabelle, Brigitte. Le jour où il retrouve un espoir et une possibilité de travail. Et enfin ceci, Alexis, 66 ans. Alors, quel est cet objet, dites-nous? Un appareil photo jetable. Et il écrit ceci. Il représente la situation des travailleurs. Le capitalisme t'utilise tant que tu peux produire rentablement. Si ta qualification ou ta vitesse de production n'est plus source de profit, alors tu es mis hors jeu, jeté comme cet appareil photo après usage. J'ai laissé dedans une pellicule à demi utilisée, comme le chômeur, mis sur la touche, alors que demeure en lui tout un potentiel qu'il ne pourra ni développer, ni donner à l'humanité. Quel gâchis, quel gâchis. Sauf que ce livre n'est pas un gâchis. Alors, j'aime pas l'expression, mais ça transcende la situation, puisque là, on a la création de quelque chose. Ce livre dit autrement le chômage. Et les chômages. Culturellement, les chômages. Je crois que le projet de départ, c'était d'abord de proposer à des personnes de s'exprimer. Il y a une des personnes qui a témoigné dans le livre qui m'a dit un jour... m'avoir donné la possibilité de m'exprimer, c'est à nouveau redevenir une personne et pas seulement un chômeur. Je crois que c'est déjà la première étape. L'idée du livre, elle est venue ensuite, quand on a vu la force, la dignité des objets qu'on a reçus. Là, on a eu envie de le diffuser, de le publier. Donc c'est là où on a souhaité en faire un livre, mais un livre avec des auteurs, un livre de qualité, parce que je trouve que ça le mérite. Et que souvent, on ne donne peut-être pas assez cette qualité à des personnes qui sont en situation d'exclusion et de difficulté. Et je note que 20% du prix de Alors ce la livre FNAC nous a suivis, on a fait un produit solidaire. Et reversé, c'est un produit, ouais, voilà, c'est un produit et sinon, solidaire. Il est vendu au profit de l'association. Ouais. Voilà, 20% de produit reversé à l'association. Merci de ces précisions, c'est une belle chose. Ah. Ça me remue profondément. Merci. Ouais. Je voulais signaler, cette émission se termine, merci mesdames, merci messieurs, je voulais vous signaler que vous avez eu un rôle dans le festival du film panafricain. Dans quoi? Non, c'est vous ça? 11, 15, 16, 17, 18, 19 février 2006, Cannes, Espace Miramar, festival du film panafricain. Vous y participez? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas, non. Ah bon? On ne m'a rien demandé. Les invités de l'édition 2005, non, vous y étiez l'an dernier. Ah! Génie Alpha, marraine du festival. C'est l'âge. C'est pas l'âge, c'est parce que j'oublie très vite. Non, il n'y a que mes textes que je n'oublie pas. Mais le reste, vous savez. Donc vous étiez la marraine de ce festival. J'étais la marraine du festival. L'an dernier. Quelle horreur. Oh là là. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Quand ça nous guette, hein. Merci beaucoup. En tous les cas, merci à vous d'avoir réuni des gens aussi extraordinaires.
Ben oui, c'est les rencontres d'âme, ah, hein, dites-vous. Voilà, les rencontres d'âme. On essaye, on essaye. C'est un peu difficile parfois. Ah, bon, fin de cette émission. Merci à tous. Je voulais vous signaler que la peine de mort n'avait toujours pas été abolie aux États-Unis et qu'il y avait, au 1er janvier de cette année en France, 58 344 détenus dans les prisons pour seulement 51 252 places. On se retrouve la semaine prochaine. On se quitte avec vous, Léni Escudero. Et on va vous écouter dans une chanson qui s'appelle « Vivre pour ses idées », chanson que vous aviez écrite en 1973. Musique. J'ai écrit la chanson « Vivre pour des idées » pour dire pourquoi mon père a fait la guerre d'Espagne, pour dire aussi comment il a fait pour choisir son camp. Parce que tout le monde ne l'a pas choisi. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore, faudrait le demander aux morts. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds, les mains attachés. Et j'avais peur et j'avais froid, un homme m'a dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, l'homme m'a dit écoute-moi, je vais te poser une question, la vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper, on ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, j'ai dû pleurer aussi, je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire et puis je l'ai entendu dire. C'est un brave homme, coupez ses liens, ton enfant tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun son dû et son savoir. Ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. M'a serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. Mais maintenant je puis le dire, pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, alors mon père m'a dit mourir. Pour décider, ça n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire. Et mon père est vivant. Il était à Teruel et à Guadalajara. Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Thank you.
القلب مسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف.